Alors, Afrique de Liberté, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez prendre la vidéo. En tout cas, bienvenue sur la chaîne panafricaine, bienvenue sur Côte d'Ivoire 2020. Partagez-moi cette vidéo, abonnez-vous massivement, activez la cloche pour ne rien rater. Côte d'Ivoire 2020, c'est votre chaîne. Donc, il faut partager nos informations. Alors, Alassane Dramane Ouattara, ça ne va plus, ça ne va pas. Quand on vous dit que Alassane Dramane Ouattara, ça sera bientôt son heure, ça sera bientôt son tour. Donc, je pense que nous sommes dans un jeu. Donc, je pense que les coups d'État un peu partout en Afrique de l'Ouest ne font que renforcer le gouvernement de Dramane Ouattara, comme l'a dit depuis Abidjan, M. Sylvestre Konan, voilà, EV, qui a eu comme ça dit, il dit que les coups d'État aujourd'hui, un peu partout en Afrique, font absolument pas peur à Alassane Dramane Ouattara. C'est plutôt le contraire. Ces coups d'État-là, selon lui, ne font que renforcer, en tout cas, le gouvernement de Dramane Ouattara. Et ces coups d'État un peu partout aujourd'hui en Afrique là feront que, selon lui, hein, toujours, Dramane Ouattara fera un quatrième mandat tranquillement et sans que personne fasse quoi que ce soit, sans que personne en tout cas n'intervienne. Ouattara fera un quatrième mandat. Mais allez-y dire à ce monsieur, allez-y dire à Hervé Sylvestre Konan, allez dire à ces moutons, allez dire à ces personnes qu'ils arrêtent de rêver. Arrêtez de rêver parce que ça va se passer. Ça va se passer en Côte d'Ivoire. Et Alassane Dramane Ouattara, c'est-à-dire que votre Dieu, c'est votre Dieu, voilà, actuellement là, est plus que jamais paniqué. Alassane Dramane Ouattara, il a peur, il panique, il tremble, il ne mange plus, il ne dort plus. Il est sur ses gardes parce qu'il sait. Malgré tout, en tout cas, ça va se passer. Et cela, ce n'est pas un débat. Alors, depuis la Russie, il faut dire que Dramane Ouattara vient comme ça de prendre une balle perdue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On va rapidement écouter cette vidéo. Voilà, on va écouter la vidéo attentivement. On va écouter rapidement parce que là où ça arrivait, là où ça arrivait, là, ça fait peur. Et Ouattara lui-même, il a peur. Et c'est plutôt ce qui fait peur à Ouattara parce qu'aujourd'hui là, son nom est plus que jamais cité dans tout ce qui n'est pas bon. Dans tout ce qui est mauvais, Alassane Dramane Ouattara en tout cas, a toujours été impliqué. Voilà, son nom a toujours été cité dans tout ce qui est mauvais, tout ce qui est sale. Et c'est ce qui va porter comme ça préjudice à ce dictateur. Et c'est pour bientôt. Parce que Ouattara, c'est une question d'heures, minutes, de secondes, de temps. En tout cas, le temps là, c'est arrivé. Mais c'est une question d'heures, de minutes et de secondes. Il va tomber. Et ça là, ce n'est pas un débat. On va à présent rapidement écouter cette vidéo Afrique de Liberté. Partagez-la, c'est très important. Partagez-la, mettez le pouce bleu, abonnez-vous. On va écouter maintenant cette vidéo très capitale. Et à tout à l'heure. J'interviens aujourd'hui en ma qualité président de l'Organisation révolutionnaire africaine, Urgence panafricaniste, en tant aussi que leader d'opinion, écouté et suivi en Afrique et dans le monde par des millions de gens, et surtout en tant qu'homme noir, allergique, profondément allergique à toute forme de colonialisme et de paternalisme. Mon discours sera différent de celui du président de la CEDEAO qui est actuellement présent à Moscou, différent aussi du président de l'époque de l'Union africaine, Macky Sall. Parce que mon discours sera franc. Seule la franchise peut permettre d'établir un partenariat rigoureux et solide sur la durée entre la Russie et l'Afrique. C'est le manque de franchise qui existe malheureusement entre nos dirigeants africains dans leurs échanges, dans leurs revendications avec les autorités russes qui entraîne parfois que le fait qu'on croit que nous sommes sur un même front alors qu'en réalité, nos dirigeants africains sont pour la plupart trop souvent cooptés par l'élite occidentale. La thématique générale de cet événement était Afrique-Russie, what next? Et ma thématique particulière à l'intérieur de ce forum, de cet événement historique, était le rôle du panafricanisme dans la résistance multipolaire à l'hégémonie et à l'impérialisme d'Occident. Autrement dit, avant de parler, et je le ferai, de la collaboration Afrique-Russie, il est important de parler du passé, du présent et des aspirations futures du peuple africain dans le monde dans lequel nous vivons. Car on ne peut pas comprendre la collaboration et les buts de la collaboration entre l'Afrique et la Russie si on ne comprend pas en priorité les aspirations de chaque partie.
Pour mieux vous situer, parce qu'on dit toujours d'où tu parles, d'où vient ta réflexion, il est important de préciser que je suis issu d'une région dans le monde, l'Afrique que l'on présente comme l'Afrique francophone, une région colonisée avec violence, arrogance, insolence, indécence par l'élite de France qui a exploité des millions d'Africains, qui exploite, qui pille de manière professionnelle et systématique nos ressources issues de nos sols. Cette même France, ou du moins cette même oligarchie de France, qui a détruit la Libye, qui a assassiné le colonel Kadhafi, alimentant, générant, structurant le terrorisme et la déstabilisation au Sahel. Cette même élite de France, je différencie l'élite de France, j'y reviendrai tout à l'heure, du peuple français qui subit lui aussi les dérives de son gouvernement. Cette même élite de France qui par la suite a l'arrogance de venir se présenter comme un pompier voulant éteindre le feu qu'ils ont pourtant allumé au Sahel. Cette même France, cette même élite de France qui nous impose son système génocidaire économique qu'est le franc CFA, qui avantage les entreprises françaises, les multinationales occidentales, mais empêche les populations africaines de commercer efficacement entre elles. Cette même élite de France qui nous impose des dirigeants marionnettes qui tuent leur peuple, tel que le président actuel, parce qu'il faut le dire tel qu'il est, le président actuel du Tchad, Mahamat Déby, soutenu par le président Macron, ce président Mahamat Déby qui assassine en masse sa population. Ou encore, et personne n'y verra du mal, je l'espère, sauf les espions américains et français peut-être dans cette salle, ou encore les dirigeants dirigés que sont les présidents Alassane Draman Ouattara, Macky Sall, ils sont nombreux, Patrice Talon, Mohamed Bazoum, Umaro Sissoko Mbalo et tant d'autres. Je ne peux pas tous les citer, la liste est trop longue, qui suivent les intérêts de l'Occident au lieu de suivre les intérêts des masses africaines. Je suis venu, je vous l'ai dit, pour dire la vérité au monde aujourd'hui et c'est ce à quoi je vais m'employer. Je ne peux pas non plus passer sous silence, quand on parle d'Afrique, parler de sa diaspora à travers Haïti, qui depuis la bataille de Vertières a été persécutée, a été isolée, a été humilié, a été asphyxié par l'élite occidentale et notamment, en plus particulièrement, l'élite française et américaine qui aime voir notre peuple en bas dans cette région du monde. Je me présente donc en face de vous en tant que voix africaine qui porte dans son ADN les coups reçus, les persécutions subies par le violeur politique, économique, psychologique, pluriséculaire de l'Afrique que constitue l'élite occidentale et plus précisément en ce qui nous concerne, le gouvernement français. Je précise bien oligarchie et gouvernement et non pas le peuple. Car comme je l'ai dit, les masses occidentales, le prolétariat occidental subit aussi les dérives de son gouvernement, de leur gouvernement. Et donc je ne veux pas généraliser, essentialiser la responsabilité des crimes commis par leurs élites. C'est donc fort de mon expérience de membre issu d'un grand peuple, courageux et digne, bien que persécuté depuis un certain nombre de temps, que je me présente à vous aujourd'hui. Un peuple qui, parce que arnaqué par les sourires d'anges, alternant avec les coups meurtriers distribués depuis des siècles par l'Occident, n'acceptera plus jamais des partenariats viciés de gens qui se présentent comme des amis alors qu'ils ne sont là que pour nous dépouiller. J'espère que la traduction fonctionne. Cette attitude de méfiance s'adresse à tous nos partenaires potentiels sans exception. Aucun peuple ne peut fonctionner dans l'autarcie et donc nous avons tous besoin les uns des autres. Mais la limite à cette interdépendance sera le respect ou l'irrespect vis-à-vis de nos peuples, vis-à-vis des principes de souveraineté et vis-à-vis aussi de nos diasporas. Car tout le monde, l'humanité entière, aime les ressources africaines, mais aux quatre coins du monde, les diasporas africaines vivent des problèmes de discrimination, de difficultés d'accès au logement, partout dans le monde, sans exception, et je pense que les vrais partenaires devront faire un effort pour accompagner de la meilleure façon possible nos diasporas. Alors, Afrique de la Liberté, c'était donc l'intervention de Kémi Séba. Vous l'avez écouté, vous l'avez entendu. En tout cas, il a eu à parler très fort. Je ne vais pas donc revenir sur ce dit. On va plutôt continuer avec les informations. On va plutôt continuer plutôt avec Alassane Draman Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est de lui qu'il s'agit. Alors, je me suis donc déplacé un peu parce que il y a un bruit là qui est en train de me fatiguer un peu. Ça me gênait donc je me suis déplacé. On va continuer avec Ouattara. Donc, Draman Ouattara dit qu'il n'a pas peur. Draman Ouattara, selon même ses proches disent que Draman Ouattara aujourd'hui là avec tout ce qui se passe, ça ne fait que renforcer en tout cas son pouvoir, ça ne fait que le rendre plus fort. Draman Ouattara n'est pas inquiété
fouetter, rien du tout. Parce que pour lui, il contrôle l'armée. C'est son petit frère ou son fils, on ne sait pas si vraiment c'est son frère ou c'est son fils, qui est le ministre de la Défense de leur armée, parce que ce n'est pas l'armée de Côte d'Ivoire. Il n'est pas le ministre de la Défense de notre Côte d'Ivoire, mais c'est leur Côte d'Ivoire. Ça là, il faut le préciser. Et moi, vous me connaissez. Je le précise toujours pour ne pas que demain là, parce que les vidéos sont éternelles, faudrait pas après, dans l'avenir, tronquer notre histoire. Ouattara n'a jamais été président de la Côte d'Ivoire. Ouattara est un imposteur. Le gouvernement de Ouattara, tous ces moutons sont des imposteurs. Ce sont des brigands, des bandits, de petits chemins qui vont bientôt comme ça rejoindre leur vraie place. Un bandit, sa vraie place là, c'est où? C'est pas la prison. Actuellement, nous sommes gouvernés par les coupables. Parce que ces coupables sont en liberté. Les pauvres innocents sont en prison. Et ça dure, ça dure. Ouattara se permet encore de changer notre constitution. Il fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, en tout cas, il fait de la Côte d'Ivoire ce qu'il veut. Ouattara contrôle l'armée, Ouattara contrôle nos institutions, Ouattara contrôle tout, donc Ouattara pense que c'est déjà acquis. Alassane Dramane Ouattara, qui a sa mainmise sur l'opposition, il fait la loi, il dicte la loi. Donc pour Ouattara, plus rien, plus personne en tout cas, ne pourra venir comme ça l'empêcher de s'imposer une énième fois dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc Ouattara va tranquillement le faire, illégalement. Parce que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, il va aller faire son quatrième mandat illégal. Dramane Ouattara, mais trompe-toi. Toi-même, tu sais que tu es déjà perdu d'avance. C'est pourquoi tu demandes à ton petit frère ou ton fils, on ne sait pas si c'est ton petit frère ou ton fils, d'être vigilant. Alassane Dramane Ouattara a demandé à son fils ou son frère, son petit frère, de renforcer, en tout cas, la sécurité. Il n'a qu'à être aux aguets. Il n'a qu'à être très, très vigilant. Alassane Dramane Ouattara ne s'est pas arrêté là. Il a dit à son fils d'aller dire à l'armée, puisque c'est lui qui est le ministre de la Défense. Mais c'est Ouattara qui contrôle tout. Donc, Alassane Dramane Ouattara a dit à son fils d'aller dire à l'armée que c'est moi à venir là. Voilà, partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui n'a pas peur, peut pas demander ceci à son fils ou à son frère. Quelqu'un qui n'a pas peur peut pas, en tout cas, prendre toutes les dispositions pour ne pas que ça arrive. Mais malgré tout ça va arriver. Ouattara, on t'a dit, malgré toutes les dispositions que tu vas prendre là, ça va arriver. Et ça va te surprendre. Toi-même là, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Ça va arriver. Partager, protéger. Donc, Alassane Dramane Ouattara a dit à son fils, Tene Birima Ouattara, ou son frère, Tene Birima Ouattara, d'aller dire à l'armée de Côte d'Ivoire que c'est moi à venir là. La Côte d'Ivoire compte sur eux. Le pays, c'est-à-dire notre pays, la Côte d'Ivoire, compte sur eux pour la gestion des enjeux géopolitiques de la sous-région et les grands rendez-vous de l'histoire. Tene Birima Ouattara, à travers les ordres de Dramane Ouattara, demande à ce que l'armée soit en posture de vigilance. Mais de quoi ont-ils peur à telle enseigne que Dramane Ouattara demande à son petit frère ou à son fils d'être en posture de vigilance, de demander à l'armée, à leur armée, en tout cas c'est leur armée, d'être comme ça en posture de vigilance, mais ça ne s'arrête pas là. Alassane Dramane Ouattara, à travers la voix de son petit frère ou son fils, Tende Birahima Ouattara, demande à ce que l'armée soit en posture, en tout cas d'anticipation, face aux velléités des bandes terroristes. Alassane Dramane Ouattara, à travers la voix
de son petit frère ou son fils, Tené Birima Ouattara, demande à ce que l'armée, en tout cas, se porte garant pour la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui n'a pas peur. Il est en train de vouloir déjà prendre toutes les dispositions pour ne pas être frappé. Quelqu'un qui n'a pas peur, qui demande à ce que l'armée soit le garant de la démocratie. Quelle démocratie? De quelle démocratie nous parlons en Côte d'Ivoire? Puisqu'en Côte d'Ivoire, nous savons bel et bien qu'il n'y a pas de démocratie. Donc, de quelle démocratie Alassane Dramane Ouattara nous parle? De quelle démocratie? La démocratie en Côte d'Ivoire, elle est morte depuis que toi, Alassane Dramane Ouattara, et tes moutons là, vous avez pris la Côte d'Ivoire en otage. La démocratie en Côte d'Ivoire, elle n'existe plus. Elle est morte. Donc, de quoi parle le test? Mais sois sans crainte, Dramane Ouattara, tu seras frappé. Tu seras frappé et cela, ce n'est pas un débat. Tu peux implorer, tu peux en tout cas implorer l'armée, tu peux demander à l'armée d'être à ton service. Mais Dramane Ouattara, je veux encore le répéter, quand le jour va arriver là, l'armée ne sera pas là pour toi. Au contraire, l'armée sera contre toi. Parce que tu as trop fait. Tu as trop fait. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et toi-même déjà, tu vois le danger venir. C'est pourquoi tu demandes tout ceci à ton petit frère. Ou ton fils, je ne sais quoi là. Tu vois le danger venir. Mais tu seras frappé. Et ça sera fait proprement, efficacement, très très rapidement et limpidement. Ça sera très limpide, très classe. Sois sans crainte. Faudrait pas t'agiter parce que nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Il est l'heure. Ton heure a sonné. C'est une question de secondes, de minutes. En tout cas, ton heure là, Alassane Dramane Ouattara, ça sonnait. Ça là, il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Alors, Afrique de la Liberté, j'ai été comme ça très ravi d'être à votre compagnie. C'était votre humble serviteur, l'amiral Obafè. Le grand amiral Obafè. Voilà. Ça a été un plaisir pour moi. Partagez la vidéo massivement. Partagez, il faut la partager, il faut l'envoyer dans tous les groupes. Il faut l'envoyer dans tous les groupes, voilà, des panafricains. C'est très important. Envoyez la vidéo partout et portez-vous bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous assiste. Que le week-end qui vient de commencer, en tout cas, vous apporte le nécessaire. Que le week-end vous apporte, en tout cas, tout le nécessaire. Et que se passe donc bien en ce week-end. Alors, portez-vous bien. On va se dire à tout à l'heure pour un autre direct. Voilà, on va se dire à tout à l'heure. Et ciao, ciao.